Salut à tous, eh bien, je vous prépare une séance, une courte séance sur le travail des fessiers. Alors, à vos tenues, n'oubliez pas votre bouteille d'eau près de vous et puis amusez-vous. Allez, on commence à marcher. J'espère que vous m'entendez. Vous allez marcher jambes écartées. Gardez toujours le buste droit, fléchissez vos genoux. Ça va tout le monde? Allez, on descend un peu plus les fesses, on continue d'allonger sa colonne vertébrale. On va taper au sol, jambes écartées, mains sur la tête. Au passage au milieu, pliez bien les genoux en posant vos talons au sol. Allez, c'est super. Ça fait du bien de se bouger un peu. 4, 3, 2, amenez vos talons vers vos fesses. Vous pouvez relâcher vos bras d'avant en arrière. Allez, super. C'est parfait. Encore. 4. On reprendra step tap. 4, 3, 2. Tapez au sol, jambes écartées. Comme tout à l'heure, au passage au milieu, on plie les genoux. Encore un peu plus. Allez, toujours buste droit. C'est super ça. 4, 3, 2. Montez les genoux. Hop. Step knee up. Allongez votre colonne vertébrale. Soufflez bien. Encore. 4. 3. 2. On reprend en marchant jambes écartées. Hop. Descendez bien les fesses. Servez-vous de vos bras. Allongez votre cou et votre colonne vertébrale. Soufflez bien. 4. 3. 2. On reprend en tapant au sol. Hop. Hop! Parfait! J'espère que pour vous ça va aussi! Allez, ça fait du bien! Encore! 4, 3, 2, on reprend step up! Bras devant et derrière! On serre les omoplates! Toujours jambes d'appui légèrement pliées! 4, 3, 2, et on enchaîne avec step knee up. Montez bien le genou vers l'extérieur. Gardez le buste droit. Gardez également les épaules face à votre ordinateur. Allez, c'est parfait ça. 4, 3, 2. Levez les jambes tendues sur les côtés. Dès que votre pied quitte le sol, vous tendez votre jambe en contractant bien les muscles de vos cuisses. Votre jambe d'appui reste toujours fléchie. Talon au sol. Et marchez jambes écartées. Hop. On descend encore un peu plus le bassin. Toujours en servant les omoplates. Ça va? 4. 3. On reprendra step tap. 4, 3, 2, step tap. Hop. Hop. Allez, allez, super, super. Encore. 4. 3. 2. J'espère que ça va, t'as en fait. Wouhou! Allez, on essaie de garder le rythme. Encore 4. 3. 2. Vous pouvez remonter les genoux, je le fais avec vous. Je vous accompagnerai pendant toute cette séance. À vous maintenant de garder toujours l'énergie dans le bas du corps et dans le haut. 4. 3. De lever les jambes tendues. Hop, hop. Wouhou. Allez, ça commence à chauffer un petit peu. Votre rythme cardiaque va augmenter. Encore. Ok. Gardez toujours les genoux fléchis, toute petite flexion. Appuyez sur vos talons. Allongez votre dos. N'oubliez pas de respirer. 4. 3. 4. 3. Deux, reprenez en marchant. Hop, hop. Encore. 4, 3, 2, step tap. 4, 3, 2. J'espère que vous prenez du plaisir à faire cette séance. Talons, fesses. Hop, hop. Avec l'énergie dans le haut du corps, on serre les omoplates. Montez vos genoux. Hop. Avec le mouvement des bras. Et battement sur les côtés, tendu.
comme tout à l'heure. Tendez bien la jambe. On sent le travail des fessiers et des quadriceps. Encore quelques instants. Et 4, 3, 2 pieds à plat au sol, on fléchit. Et 1. À chaque fois que vous remontez, expirez. Quand vous expirez, serrez vos côtes, serrez les fesses. 4, 3, appuyez bien sur les talons. 3 petits mouvements. 1, 2, 3, remonte. Et 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, on serre les omoplates. 3, 2, on reprend en un temps et single. 2, allongez. 3, 4, 5, 6, 7, et on reprend 3 petits. 1, 2, 3, remonte encore. 3, 2, 1, plus que 2 fois. Et 1, 2, 3, soufflez bien. 1, 2, 3, encore une série en un temps. Et 1, on serre les fesses en remontant. Allongez le dos. Appuyez sur vos talons. Encore. 4, 3, 2. Dernière série, 3 petits mouvements. 1, 2, 3, remontez. 2, 2, 3, toujours tête dégagée des épaules. 3, 2, 3, dernier. 4, 2, 3, marchez. Allez, j'espère que ça chauffe un peu dans les cuisses, dans les fesses. Continuez de marcher. On va prendre l'appui sur le pied gauche. Vous pointez le pied droit et vous levez la jambe tendue. 1, reviens. 2, reviens. 3, 4. Allez, allez, c'est super. 4, 3, 2. Petit battement sur le côté. On continue d'allonger le dos. Si vous voyez que vous êtes un peu instable, vous vous rapprochez d'un mur, d'une chaise, d'un canapé, tout ce que vous avez proche de vous. Ok? Restez. Repoussez bien le sol, allongez le dos. On sent le travail de la jambe d'appui, mais également de la fesse de la jambe libre. Les dernières secondes. 4, 3, 2 pieds à plat au sol, on fléchit. Remonte. Hop. Descends, remonte, inspire et souffle. 4, 3, allongez le dos, appuyez sur les talons, montez la jambe gauche et restez. Ok, on monte. Très bien. Je me suis un peu décalée sur la musique, pas d'importance. 4, vous allez toujours réussir à retrouver votre rythme et suivre le mien. Petite, hop, hop. On repousse le sol avec la jambe d'appui légèrement pliée. Allongez le dos, soufflez bien. Serrez vos omoplates. 8, 7, 6. Allez, allez, c'est bien. 4, 3, 2, restez. N'oubliez pas de respirer. Encore quelques instants. On reprendra les squats avec les pieds parallèles. Toujours avec les pieds bien à plat au sol. 7, 8, et descend. Remonte. 2, 3, on serre les fesses. 4, en allongeant le dos. 5, en soufflant, serrez les côtes. 6, 7, on reprend 8 battements de la jambe droite. Et 1, essayez sur cette deuxième série de ne pas reposer votre pied complètement au sol. Allez, allez, c'est bien, c'est exactement ça. On monte, on descend, monte, descend. 16 petits battements. Concentrez-vous sur votre auto-grandissement. Allongez aussi bien le cou que le bas de votre dos. J'espère que ça commence à chauffer. Maintenez la position. 8, 7. Allez, allez, on essaie de garder la jambe haute. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. 4, 3, 2. Flexion au milieu et 1. On serre les fesses. 2. En allongeant, 3, 4, 5, 6, 7, c'est super. 8, levez la jambe gauche et 1, descend,
2, encore, 3, repoussez bien le sol, grandissez-vous, 4, 3, 2, vous êtes prêts? 16 petits battements, 1, 2, allez, je dois avoir vraiment vos orteils vers l'avant et toujours le bassin dans l'axe. Votre bassin doit rester tourné vers votre ordinateur ou votre téléphone. 4, 3, 2, maintenez la position. 8, allez, c'est bien. N'oubliez pas de respirer. Encore, 4, 3, vous êtes prêts à refaire les squats parallèles? 7, 8 et 1, pardon, 2. À la fin de cette série, nous allons faire 3 petits mouvements en bas et remonter en un temps. Vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, 3 petits mouvements en bas. Et 1, 2, 3, remonte en serrant les fesses. Ne laisse pas basculer le bassin vers l'avant ici, on se grandit quand on remonte. Soufflez. Attention, un squat, un battement de vers l'arrière. Montant la jambe arrière et on alterne droite et gauche. Inspire, souffle. Allongez bien le dos. 4, 3, 2. J'espère que tout le monde va bien. 3 petites flexions. Et 1, 2, 3. Remontez. 2, 2, 3. Encore 2 fois. Bien entendu, si vous avez besoin d'aller voir un coup, ça va arriver. Sinon, faites votre pause quand vous le voulez. On refait squat battement. Et 1, 2. Allongez bien le haut et le bas de votre dos. En soufflant. 4, 3, 2. Dernière série, 3 petites flexions. 1, 2, 3. Remontez. 2, 2, 3. Encore 2 fois. 1, 2, 3. Le dernier. Allez, squat, battement arrière. Pour 8, 7. J'espère que vous avez chaud. 4, 3, 2, 1, marchez. Alors sur cette première partie de séance, déjà je vous félicite, bravo à toutes, vous êtes vraiment super. On va pouvoir marquer une petite pause pour aller boire un coup. Et je vous souhaite de vraiment vous prendre le temps aussi de vous poser à un moment. Donc si vous en avez vraiment besoin, n'allez pas au-delà de vos capacités. A tout de suite. Coucou à tous. Eh bien, je suis allée chercher mon tapis. Vous pouvez en profiter pour faire la même chose. Si vous n'en avez pas, vous prenez une serviette et ça fera tout à fait l'affaire. Il nous reste un exercice à faire debout. Et puis ben, après, on passera aux fessiers allongés sur le dos. Allez, vous me suivez? Je me mets de profil, comme ça, ça vous permet de bien voir le travail de l'arrière de la cuisse et des fessiers. Pour le moment, placez-vous dans cette position. Position squat, en appui sur les talons. 4, 3, 2, marchez. Allez, on déroule bien les chevilles, on allonge le dos. Bon, je vais me remettre quand même face à vous, c'est plus sympa. Allez, encore quelques instants en marchant. Je me remets de profil. Redressez-vous, montez votre talon à votre fesse. On monte, on descend. Votre pied ne retouche pas complètement le sol. J'espère que vous me suivez. Encore. 4, 3, 2. On contracte volontairement l'arrière de sa cuisse. Petit mouvement. Et 1, 2, 3. Éloignez bien votre genou de votre jambe d'appui. Encore. 8, 7. Allez, allez, c'est bien. 4, 3, 2. On reprend en main. Et 1, descend. 2, encore. 3. Soufflez bien. Encore 4, 3, 2, jusque là ça va? Petit mouvement. Hop, hop. Selon si vous avez gardé vos chaussures ou vous êtes en chaussettes comme moi, vous n'aurez pas forcément la même sensation. Par contre, grandissez-vous pour maintenir votre équilibre. On reprend en un temps. Et 1, descend. 2, ça va à l'appui sur une jambe? Sinon, vous pouvez vous rapprocher d'une chaise. 4, 3, 2, on reprend. Petit mouvement. Et 1, 2. À la fin de cette série, vous allez pouvoir reprendre en marche.
marchant, pieds parallèles, genoux pliés. Dans 4, 3, et 4, 3, 2, pieds au sol. Et on marche. Allez, descendez bien votre bassin tout en serrant les omoplates. J'espère que vous avez aussi chaud que moi et que vous arrivez à vous dépouiller. 4, 3, 2, on prend appui sur une jambe, on lève, on descend. 2, encore. 3, 4. Votre genou est légèrement en arrière de l'autre pour vraiment travailler l'arrière de votre cuisse et une partie de votre fesse. Petit mouvement et 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à ce rythme. Encore 8. Allez, allez, super. Deuxième série en 1. Et 1. 2. Allez, sans laisser vos orteils toucher le sol. Souffle. Encore. 4. 3. 2. C'est reparti pour la deuxième série de petits battements. On monte. On souffle toujours à ce rythme. Hop. Hop. Encore. 8. Allongez bien le dos. Grandissez-vous. Dernière série en single. Et hop. Descends. 2. Encore. Agrippez bien le sol avec vos orteils. Grandissez-vous en repoussant le sol. Super. 4. 3. 2. On accélère maintenant. Hop. 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 Parfait. N'oubliez pas de vous grandir. 4. 3. Vous êtes prêts à remarcher. Jambes fléchies, pieds parallèles. Et hop. Hop. Descendez bien le bassin. Déroulez vos chevilles en repoussant le sol avec les talons et les orteils. C'est bien. 4. Attention, petit bonus. Courez très vite. Allez, vous pouvez tenir vos mains ou balancer vos bras d'avant en arrière tout en allongeant votre colonne vertébrale. Quelques secondes encore. 4, 3, 2, pliez, restez. On en profite pour allonger son cou. Les dernières secondes. 4, 3, 4, 3, 2, on est reparti en courant vite. Allez! N'oubliez pas de respirer. Bloquez. 8, 7. Allongez toujours votre dos. 4, 3, 2, on court vite. Et 8. Bloquez. Et on court. Allez, c'est bien. Bloquez. Essoufflez. Allez, prenez le temps d'aller boire un petit coup. J'y vais moi aussi. Coucou. Eh bien, on est reparti pour la partie fessier. Allongé sur le dos, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, installez-vous sur votre tapis. Passez en position sirène. Avant de vous allonger sur le dos, attrapez votre bassin, votre tête et placez les bras le long du corps. On monte le bassin et 1. Et on descend. 2. Ok, continuez d'allonger le cou. Allez avec votre coccyx en direction de vos talons. On monte et on descend. Hop. Petit haut. Et 1. 2. 3. 4. On contracte les fessiers. On sent également l'arrière de ses cuisses se contracter. Vous pouvez même appuyer un peu plus avec vos talons. 4, 3, 2, on reprend le bassin pour 8, 7, poussez bien les fesses jusqu'en haut, encore, 4, 3, soufflez bien, 2, petit mouvement en haut, 1, 2, hop, hop, gardez bien vos genoux écartés à la largeur de vos hanches, gardez les épaules basses. Encore 4, 3, 2, on redescend maintenant, on descend, remonte, 2, allez, c'est bien, 3, j'espère que vous commencez à sentir le travail sur les fesses, l'arrière des cuisses, encore 2, petit mouvement en haut, 1, 2, 3, 4, allez, gardez les épaules étendues, allongez bien votre cou.
Et 4, 3, 2, vous serrez et vous écartez vos genoux. Je ne sais pas si on le voit bien, si ça devrait aller. On serre, on écarte. Votre bassin reste haut. Serre, écarte. 4, 3, 2, petits mouvements plus rapides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 8, 7. Super, super. Reprenez lentement. Et 4, resserre. 2, gardez le bassin relativement haut. Encore. 4, 3, 2. Deuxième série plus rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, ça commence à chauffer. J'espère que vous aussi. Allez, allez, c'est super ça. On reprend en un temps. Et 4, resserre. 2, 3, 4, allez, 4, 3, n'oubliez pas de souffler et d'inspirer, forcément, petit, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bientôt la fin, encore 8, 7, remontez bien le bassin, 4, 3, 2, 1, et reposez. Ok, allongez-vous sur le côté, placez votre bras ou avant-bras sous votre tête, fléchissez vos genoux à angle droit par rapport jambes et cuisses et cuisses-ventre. Épaule au-dessus de l'autre, on lève et on descend, c'est parti. Votre corps doit toujours rester perpendiculaire au tapis. Encore, 4, montez bien le pied et le genou à peu près à la même hauteur. 3, 2, 1, petit mouvement et 1, 2. Au moment où ça devient vraiment très très difficile, essayez vraiment de poursuivre votre effort. C'est là que ça devient vraiment efficace. Vous pouvez de temps en temps tapoter votre fesse. On maintient. Allez, allez. Le genou doit rester au-dessus de l'autre et le pied également. 4, 3, 2, on reprend en un temps. Et 1, descend. 2, contrôlez la descente. 3, sans laisser le genou ou le pied se poser complètement. Monte, descend. 4, 3, 2, c'est reparti pour les petits. 2, hop. Allez, vous êtes géniaux. Encore 8. 4, 3, 2, restez. Maintenez bien votre tête dans le prolongement du corps. Si à un moment vous préférez plier votre bras, vous pouvez ou l'allonger à votre convenance. Allez, allez, on résiste. On est reparti pour 8 élévations et 1. 2. Soufflez bien en serrant vos côtes. Hop. Encore 4. 3. 2. Dernière série de petits battements. Nous terminerons sur cette fesse avec le maintien. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes cours, cette série est plutôt courte, hein, du coup. Mais ça permet de reprendre en douceur. Allez, on maintient. 8. Gardez également votre épaule bien au-dessus de l'autre. Ne basculez jamais en arrière. Vérifiez que votre genou est à l'aplomb de l'autre. 4. 3. 2 et relâchez. Prenez appui sur votre main. Basculez de l'autre côté. Position sirène. On peut plier le bras ou le tendre du moment qu'on est stable. Tête dans le prolongement du corps. On monte. Et 1, 2, 3. Nous terminerons cette séance avec ce côté. Vous avez déjà super bien travaillé. On va jusqu'à la fin. Et là, petit mouvement. Allez. Maintenez votre cou allongé. Encore 8. On s'accroche pour aller jusqu'au bout de l'effort. Et on maintient. 8. Vous serez super fiers de vous quand vous aurez terminé cette belle séance sur le travail des fessiers et des cuisses.
Les dernières secondes de maintien. C'est reparti en un temps. Et monte contre le retour. Votre genou ne se pose pas complètement sur l'autre. On monte, on descend. Hop. Allez, allez, ça chauffe, c'est normal. Petit battement maintenant. Et un, deux, hop. Maintenez votre genou au-dessus de l'autre. Ne le faites pas passer au-dessus de votre cuisse. Respirez bien. Continuez de monter le pied et le genou. Restez dans cette position. 8. Lorsque vous êtes dans cette position, c'est votre hanche qui appuie sur le sol et non pas votre fesse. Votre indicateur, c'est votre genou au-dessus de l'autre. Si le genou passe au-dessus de la cuisse, c'est que vous avez basculé. On monte. 1. Descend. 2. Allez, on arrive à la fin de notre séance. Encore. 4. 3, 2, petit mouvement maintenant, et 1, 2, 3, 4, on monte, on souffle, allez c'est bientôt fini, encore 8, 7, monte, monte, 4, 3, 2, restez, 8, allez allez c'est la fin. Ne bloquez pas votre respiration, essayez de remonter encore un peu le genou et le pied. Tapotez la fesse si nécessaire, gardez les genoux au-dessus de l'autre. Et relâchez. Et ben moi, je vous souhaite vraiment de passer une superbe journée. N'importe quelle heure à laquelle vous ferez cette séance, et ben prenez plaisir, partagez-la avec votre famille. Et puis, on se donne rendez-vous très très vite. Allez, ciao tout le monde! Recoucou, en fait, si vous voulez faire la séance stretching, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, connectez-vous. Et puis, vous pouvez aussi faire un peu de relaxation. Je vais la mettre prochainement. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao les sportifs.